alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you.
Sur cette machine, il manque à l'heure actuelle les écailles, c'est-à-dire une partie qui va être en dessous et qui va permettre de s'envoyer les baies qui tombent directement dans les convoyeurs qui vont ensuite monter à l'horloge en haut pour que ce soit déversé dans les bacs. Marc-Antoine, est-ce que tu peux arrêter le secouage? Merci. Avec Léo, qui vient ici depuis 4 ans. Bonjour Léo. Bonjour. Tu es là depuis quand? Je suis là depuis 14h cet après-midi. Et qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé? Je suis en reportage pour ma chaîne de YouTube qui s'appelle Léo Agri 33 Forest. Parce que je suis un très gros passionné de machinisme et ça fait la troisième année que je viens ici. Est-ce que tu as pu tester les machines qui sont en présentation? Je suis invité tout à l'heure à conduire les machines. Et qu'est-ce que tu vas faire après avoir testé les machines sur le salon? Tu vas peut-être aller voir les animaux? Je vais voir à la carrière des chevaux. Quelle est ta machine préférée? Comme vous pouvez constater, je suis passionné de la marque John Deere, Valtra. Et tu aimerais en faire ton métier plus tard? J'aimerais faire mon métier en tant que conducteur d'engin agricole. Alors Léo, je vais te poser quelques questions qui sont plutôt faciles. Est-ce que tu peux me donner le nom de ta machine préférée? Alors, le nom de la machine préférée, c'est la John Deere, la 1170D, qui est une abatteuse, comme celle de derrière. Mais pour ma part, j'aime toutes les marques. J'ai pas la machine particulière. Est-ce que tu es plutôt lapin ou vache? Lapin. Si tu devais choisir entre tracteur et côte-côte? Tracteur. La viande et les carottes? Les carottes. Plutôt mouton ou plutôt machine? Machine.
L'espace de la ferme ou l'espace des animaux? L'espace ferme. Merci Léo. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre sur le stand de la machinerie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici exactement? Là, tu fais un petit peu le show avec cette grosse baie. Oui, tout à fait. C'est des démonstrations sur le Polyneuf de la foire de Bordeaux. Donc je suis là pour représenter tout d'abord la filière forêt-bois, la formation que je réalise au centre de formation de Bazas, et ensuite faire les démonstrations avec le porteur de la marque Poncé. Donc ça, c'est un porteur. Il y a plusieurs machines de ce type pour transporter les gros rondins ou c'est vraiment la machine type? Non, du tout. Pour transporter du bois en billon, ça va être que des porteurs. Ensuite, on trouvera des débusqueurs pour tout ce qui est bois entier, faire de la grume, ce qu'on appelle. Okay. Et donc toi, ça fait combien de temps que tu fais justement la conduite de ces machines? Alors, je suis en alternance depuis mon bac pro, donc sur un total de 5 ans aujourd'hui. Donc ça fait 5 ans que je suis dans la filière, mais c'est des périodes de 2 semaines qu'on a en entreprise. Et au cours de ces 2 semaines-là, en entreprise, je fais pas mal de débardage et en sylviculture mécanisée, tout ce qui va être le rouleau landais qu'on appelle. Donc si je te dis blé ou bois? Bois. Tracteur ou porteur? Tracteur. Étonnant. Je débarde pas avec un porteur forestier. Je débarde avec un tracteur agricole, équipé forestier et une remorque de débardage. C'est un autre montage qu'on peut trouver en exploitation. Pédale ou moteur? Moteur. C'est mieux. Puissant. Puissant toujours. Et la pince ou la scie? La pince, le grappin qu'on appelle. Merci beaucoup Alexandre. Vous pouvez retrouver Alexandre pendant tout le salon de l'agriculture ici à train de faire des démonstrations, des défis. Et donc là, il me semble que tu as un défi cet après-midi, c'est ça? Je l'ai réalisé. Donc tout d'abord, c'était mettre un billon debout sans avoir de point d'appui, mettre une bouteille d'eau dessus et ensuite mettre sur les ranchers. C'est ce qui tient les poteaux. Enfin, je la pose là en équilibre sans éclater. T'as réussi? Oui, les deux. Bon, ben merci beaucoup.